Yo, c'est Cameron de Lens Girl Belge, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les gars, on est dans le nouveau setup. Dans le regard, c'est bien focus sur ma tête. Il me semble bien. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vidéo sans cut, on fait directement le concours. Les gars, je suis... Enfin, c'est le soir, je n'ai pas le temps de faire le montage. Du coup, là, je fais la vidéo. Et je vais la sortir direct comme ça, il n'y a pas de coupable. Comme ça, on est directement plus en contact, c'est plus humain, c'est plus direct. Non mais en vrai c'est vraiment j'ai pas du tout le temps de faire un montage, du coup de toute façon c'est un résultat de concours, il n'y a pas besoin d'une qualité cinématographique titanesque, on est juste là, on va faire un tirage au sort. Au passage, voilà derrière il y a des grands éclairages, du coup tu peux le voir à ma tête qui est bien éclairée pour une fois dans un tuto. Je le tourne, il est 21h, donc tu vois j'ai plus besoin d'attendre qu'il fasse jour dehors pour pouvoir filmer mes tutos, je peux les faire quand je veux à n'importe quel moment. Donc voilà, il y a toujours le petit setup, donc tu vas me dire si tu préfères comme ça. Encore une chose, je ne peux pas utiliser de nouveau micro parce que oui, il y a un nouveau micro, tu vois, un Bugatti pour ceux qui connaissent. Mais sauf que en fait, j'utilise directement, je fais sans USB, donc je dois enregistrer le son sur l'ordi et ensuite tout synchroniser. Mais bon, mes cheveux ils font nimp, mais on s'en fout. Et du coup, il me faudrait une rallonge USB pour pouvoir le mettre sur le deuxième trépied, du coup l'ancien trépied qui est cassé, mais je veux quand même un peu rehausser pour me faire un trépied de micro et pouvoir avoir une qualité sonore parfaite. Du coup, aujourd'hui, c'est le tirage au sort du concours. Donc, je vais tout de suite. Allez, mais non, je suis con, il y a l'ordi derrière, mais j'ai la flemme, tu vois. Donc là, je vais aller sur mon téléphone, on va aller sur la publication du concours. Donc, tu sais, je vais aller sur le site random comme la dernière fois, je vais mettre le nombre de commentaires. Il y a eu quelques commentaires en plus. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste histoire d'avoir quelque chose qui soit fait le plus au hasard possible. Donc, le but, c'est pas de dire, ah, lui, c'est ce numéro de participant ou pas. Donc, il y a 804 commentaires. Vas-y, on va retirer 4, on va mettre 800, puisque j'ai vu que des fois, il y avait des petits dialogues et tout. Du coup, on va mettre 800. Donc, tu sais quoi, je vais rapprocher la caméra, tu sais, je vais aller directement sur l'écran d'ordi. Tu sais, j'ai tout plus dessus. Comme ça, voilà. J'oriente grâce au nouveau trépied de qualité le truc. Du coup, là, tu vois à peu près, je vais focus sur l'écran, tu sais. Voilà, donc là, on est sur la chaîne YouTube. Voilà, donc on va tout de suite aller sur random. Random... Voilà, je sais pas si tu vois, voilà, donc on est sur random, random.org, true number, random, enfin, je sais pas quoi. Alors du coup, c'était où? Game Lottery, oui. Voilà, alors du coup, ici, t'es quoi? Je vais voir si je peux encore plus zoomer. Voilà, du coup, tu vas voir, c'est... Est-ce que c'est un peu plus focus? Attention. Voilà, là, normalement, c'est net. Alors du coup, on va mettre minimum 1. Max 800, ça va nous balancer un chiffre au pif. 6, oula, 6. Du coup, les gars, je suis focus ou pas? Attends, je regarde sur ma main, je vérifie à chaque fois. Oui, je suis à peu près focus. On peut se voir. Attends, je remets la lumière. Voilà. Alors, du coup, mec, c'est le 6ème commentaire. Du coup, je sais pas si je vais le faire avec l'ordi ou mon téléphone. Mais voilà. Je vais devoir remonter 800 commentaires pour aller au premier. Commentaire mec, enfin au premier, t'es dans les premiers quoi, du coup voilà, je défile tout, je scroll, tu vois, ça me saoule bien, et remarque, il y en avait qui m'avait dit, Cameron, ça saoule parce qu'il y a les premiers à participer, tu vois, alors la dernière fois, c'était un mec qui était dans les derniers, et bon, ouais, ça saoule parce que nous, on est les vrais abonnés, tu vois, on commente en premier pour participer au concours, du coup, là, on peut pas dire qu'on n'est pas dans les premiers, moi, je pensais pas que ça serait un commentaire aussitôt, donc j'espère que c'est un abonné qui est là souvent, qui commente dans les premiers, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir moi aussi que ce soit les vrais de vrais qui soient récompensés. Du coup je défile, tu vois. Au passage, si j'ai des petites annonces à faire, j'ai passé un entretien pour une école à Bordeaux. L'entretien s'est très bien passé, donc peut-être que l'année prochaine je serai bordelais. Et si l'année prochaine je suis bordelais, mon gars, dis-toi qu'il y aura que des bons skateparks. Il y aura le skatepark de Bordeaux, il y aura le skatepark de Pessac qu'il y a juste à côté. Donc je te dis, mec, ça va rouler énervé. Du coup, ben déjà, je vais me chauffer un peu plus, tu vois, qu'à Lennon. Et aussi, il y aura des mecs chauds là-bas, enfin, que je connais d'ailleurs. Petite dédicace aux potes de la Riderie. Enfin, de The Riderie, du coup, le compte Insta, vas-y, je le mets là parce qu'ils ont fait de la pub. Attention, on arrive dans les premiers. Alors le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'agit de Julien Bouguet, qui est un jeune. Voilà.
Donc Julien Bouguet qui a déjà un petit BMX, donc c'est mieux que ce soit quelqu'un qui a un BMX, tu vois, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas de vélo. Du coup c'est Julien Bouguet. Je ne sais pas si c'est un abonné depuis longtemps, mais en tout cas il a gagné. Donc voilà, cette... je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas gagné, mais voilà, c'est au pif mec, tu vois, c'est vraiment... Tu sais, c'est au hasard, mec, une chance sur 800, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup, moi, j'ai pas envie... Tu sais, il y en a, ils viennent me dire en commentaire, ouais, ce serait bien que je puisse gagner et tout, j'ai pas beaucoup de pièces et tout. Tu sais, moi, en vrai, je te jure, mec, ça me fait un peu culpabiliser. Je suis là, oh, merde, ce serait cool que je puisse aider ce mec. Et si après, je suis là, j'aide ce gars à gagner. Enfin, il y en a plusieurs, tu vois, il y en a d'autres qui sont aussi dans le même besoin. Du coup, je fais au pif, au plus grand des hasards. Et j'espère que tu comprendras ma décision, tu vois, je suis vraiment au hasard, comme ça, c'est le hasard, tu vois, c'est pas moi qui vais choisir quelqu'un, donc le hasard fait le taf. Donc Julien Bouguet, je vais t'envoyer un message quand la vidéo sortira, parce que, qu'il soit pas spoilé avant, tu vois. Donc demain vers 18h, désolé, je serai sûrement en session, je risque de pas y penser, mais en tout cas, t'as gagné, Julien Bouguet, t'en fais pas, je vais t'envoyer un message. Et du coup, je dirai à une Lydide que c'est toi qui as gagné, tu pourras aller... Enfin, je te mettrai en contact avec eux, tu leur diras tout ce que tu veux sur le site pour 100€. Du coup, voilà. Ça fait plutôt plaisir. Tu vois ça, mec? C'est le dernier stick. En gros, c'est le dernier stick Lennon's, parce que, tu sais, on s'en était chacun donné 4 à utiliser. Moi, il m'en reste un à utiliser, c'est le dernier. Enfin, il en reste quelques-uns à Mountain Bike Zone, à Limoges, tu vois, c'est pour les locaux. Du coup, s'il y en a qui sont à Limoges, qui veulent aller à Mountain Bike. Tu vois, ça, c'est un t-shirt Lennon's Garbage, tu vois. Si tu veux... Tu peux en commander, il en reste genre 8. Commande, mec, ça 15€ le t-shirt, c'est pas très cher, et c'est 3,72€ de frais de port. Et pour la Belgique, je crois que c'est 6€, un truc comme ça. Bon, je sais qu'il y en a en Belgique et tout, donc c'est un tout petit peu plus cher. Pareil pour la Suisse, je crois. Donc voilà, du coup, c'était la vidéo concours. Merci encore une fois de plus à Unleaded, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça, tous ces petits trucs cool sur la chaîne. Donc merci à eux de nous permettre de pouvoir faire ça. N'hésitez pas toujours à commander sur Unleaded grâce au code Lennon5, moins 5%, et c'est aussi, ben, du coup, c'est grâce au pourcentage d'argent qu'on touche sur ce que vous achetez avec le code qu'on peut s'acheter des pièces pour nous et également faire des concours. Et là, les pièces, en ce moment, on en a besoin. Moi, je me suis acheté une roue parce que je kiffais, je voulais trop une cassette. Enfin, il y a John, il a niqué sa fourche, du coup, on a pris une fourche. Maxence, sa roue arrière. Florentin, ses pneus, ils sont à la ficelle, du coup, on a pris des pneus. Pegs. Et moi des poignets parce que j'ai plus le doigt. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai vraiment mal au doigt. Et genre vraiment, tu vois, aux articulations, ici, à ces phalanges, j'ai vraiment mal. Même quand je roule maintenant. Bon, j'espère que ça va passer. Et bref, voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à lâcher un petit j'aime. À t'abonner, bien évidemment, également à Unleaded sur leur Instagram. Et continue d'acheter avec le code Lennon5, ça fait plaisir. Et voilà, gros. Allez, salut.